Sans aucun doute, notre Dieu, nous le croyons de tout notre cœur. Nos âmes te louent et t'adorent. Nos vies sont soumises à ta volonté. Merci, tendre Père Céleste, pour la réunion de ce soir. Car chaque jour ne se ressemble pas, Seigneur Jésus. Il t'a plu, notre Dieu, de nous garder depuis ce matin jusqu'en cet endroit, jusqu'en ces instants. Au ciel, les anges te louent et t'adorent. Et sur la terre, tu as voulu que nous puissions être de ceux qui sont comptés parmi les vivants. Parce que ta parole nous dit que les vivants, ce sont ceux-là qui te louent et qui t'adorent en esprit et en vérité. Car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Seigneur, tu as répandu ton Saint-Esprit sur toute chair, afin que les fils et les filles puissent prophétiser, et que les veillards et les songes. Tu as restauré les dons, Seigneur Jésus. Seigneur, nous croyons cela parce que c'est ta promesse dans l'Écriture. Merci pour le serviteur prudent, le fidèle que tu nous as donné et que tu as établi dans ta maison pour donner la nourriture au temps convenable. Merci pour notre pasteur. Merci pour le don que tu nous as donné. Merci pour l'instrument que tu as choisi. Seigneur, beaucoup ont faim et soif de toi aujourd'hui. Mais qu'avons-nous fait, notre Père et notre Dieu? Qu'avons-nous donné de plus que les autres pour pouvoir être en cet endroit, notre Seigneur? Où toi, notre Dieu, tu viens chaque soir, chaque matin, communier avec chacun de nous, notre Dieu. Tu as dit, mais voici à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Au temps du soir, la lumière apparut. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Merci Père parce que tu nous as éclairés. Nous ne sommes plus de ceux qui étaient dans les ténèbres. Tu nous as éclairés, notre Dieu. Tu nous as élevés dans les hauteurs, comme des aigles, mon Sauveur. Tu nous fais réellement explorer les villes et les nations. Oh mon Sauveur, tu ne désires pas que nos pieds puissent tremper avec les choses de ce monde, mon Sauveur. Mais tu veux que nous puissions nous envoler. Oh, je m'envolerai quand la trompette retentira. La trompette a retenti. Nous nous sommes envolés, mon Sauveur. Oh, les choses de ce monde n'ont plus aucun pouvoir sur nous, Seigneur. Oh, Satan a échoué. Gloire à toi, notre Dieu, parce que par la foi, nous possédons toutes choses, même la porte de nos ennemis. Sois loué, notre Dieu. Sois exalté pour l'éternité. Par la foi, Seigneur Jésus, tu nous fais accéder aux promesses de l'Éternel, notre Dieu. Par la foi, Seigneur Jésus, tu nous fais accéder à la bénédiction, mon Sauveur. Par la foi, Seigneur, tu nous fais accéder à la guérison, mon Sauveur. Oh, le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on puisse te craindre, mon Sauveur. Merci, Seigneur Jésus, parce que lorsque tu descends, oh, les murailles tombent, mon Sauveur. Lorsque tu descends, les démons sont en déroute, mon Sauveur. Merci parce que tu es venu libérer les captifs. Merci parce que tu es le consolateur des cœurs brisés. Merci, notre Père, parce que tu es le réparateur des brèches. Seigneur, merci parce que tu nous soutiens. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, mon Sauveur. Les hommes peuvent nous abandonner. Oh Seigneur, toi, tu ne nous abandonneras jamais. Tu as dit, même dans la fosse, tu descends avec nous, mon Sauveur. Parce que c'est toi qui nous fais sortir de la fosse, mon Sauveur. C'est toi qui nous libères du filet des l'oiseleurs. C'est toi qui nous délivres de tout mal. Tu es notre salut. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Parce que les hommes t'ont cherché et ils ne t'ont pas trouvé, Seigneur. Mais à nous, tu t'es fait connaître, mon Sauveur. Comme à des enfants, Seigneur. Tu as dit, heureux êtes-vous, parce que vous ressemblez à des petits-enfants. Seigneur, nous croyons en ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci parce que tu as éclairé nos âmes. Merci parce que tu as éclairé nos vies. Même Seigneur, mon Dieu, dans nos faiblesses, tu es celui qui nous fortifie. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit.
Merci pour ta visitation. Bénis notre pasteur. Souviens-toi de lui ce soir. Le peuple tellement si nombreux, de par le monde entier, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, Seigneur Jésus, et même ici en Europe. Tu es le Dieu véritable. Seigneur, parle encore ce soir. Ton peuple t'écoute, notre Dieu. Viens pointer du doigt nos vies. Viens pointer du doigt notre marche, mon Sauveur. Regarde-nous si nous sommes sur une bonne voie. Si nous nous en sommes écartés, notre Père, ramène-nous par ta houlette et ton bâton. Rassure-nous d'être réellement dans la vérité, mon Sauveur. Nous sommes dans le véritable, en ton Fils Jésus. Celui qui est le Dieu véritable, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous rajeunis. Merci parce que tu nous fortifies. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour la louange. Merci pour l'adoration. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la majesté. Nous voulons nous asseoir à tes pieds. Viens et parle-nous. Révèle-nous encore ton plan. Révèle-nous encore ta volonté. À toi la gloire, la puissance à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 63. Psaume chapitre 63. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 63, nous lisons la parole de Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie, sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se rejurera en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, bonté vaut mieux que la de toi avec confiance, ô notre Dieu.
Avec nos cœurs, nous célébrerons ton nom. Amen. Avec nos bouches, nous souhaitons ta gloire à toi, mon Sauveur, parce que tu es vraiment merveilleux. Amen. C'est vrai, comme nous l'avons exprimé, car ta bonté vaut mieux que la vie. Nous sommes dans la joie encore ce soir, pouvoir nous retrouver ensemble en ces lieux, car nous savons que tu es présent, mon Père. Tu as fait la promesse que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es vraiment au milieu d'eux. Et ce soir, nous avons dansé. Ce soir, nous avons chanté. Ce soir, nous avons crié. Ce soir, nous sommes réjouis, Père, parce que tu es vivant. L'Éternel, notre Dieu, tu es puissant dans les batailles, mon bien-aimé Père du Saint. Tu es vraiment dans les camps, mon bien-aimé Père du Saint. Pourquoi nous te remercions encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint. Si tu n'étais pas là, comment pourrions-nous chanter, mon bien-aimé Père? C'est toi qui inspires les chants et les cantiques, mon roi. Il soutient chacun de nous, oh notre Dieu. Merci encore pour ta présence divine, mon bien-aimé Père. Merci encore pour ton secours et ton soutien, Seigneur. Réellement, tu nous as vraiment secouru, Père. Béni sois-tu encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Pour ce que tu fais encore ce soir, ce que tu as fait la journée, bien-aimé Père Tissant, ce que tu feras encore après, Seigneur. Ah, nous sommes réellement confiants, mon bien-aimé Père. Nous sommes retrouvés réellement dans le lieu que tu voulais que nous soyons. Sois donc exalté, mon bien-aimé Père Saint. Merci encore pour les cantiques et les chants qui sont montés devant ton trône de grâce, mon roi. Merci également pour les pardons de nos péchés et nos iniquités, mon bien-aimé Père Tissant. Merci pour la joie de ta voix comme Dieu, mon bien-aimé Père. Sois donc exalté encore ce soir, notre Dieu. Merci parce que toi qui inspires, mon bien-aimé Père Tissant, qui conduis encore davantage, mon bien-aimé Père, Dieu, pour mon frère et pour ma soeur et pour nos enfants. Oh Dieu, nos petits-enfants aussi, bien-aimé Père Saint, nous sommes réellement concernés par ce que toi tu fais, Seigneur. Pourquoi nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, bien-aimé Père Saint? Nous venons à toi, mon bien-aimé Père Tissant, implorant ta grâce encore, bien-aimé Père Saint, pour ce soir, oh notre Dieu. Oh, que tu te réjouisses avec nous, bien-aimé Père, oh Dieu. Béni sois-tu encore, mon bien-aimé Père. Tu as vu nos cœurs et nos âmes, bénémoine Père Saint, devant ta face, bénémoine Père Saint. Oh, nous avons été sincères et nous le sommes encore, bénémoine Père Tissant. Nous t'aimons, mon bénémoine Seigneur Jésus. Sois donc béni encore aujourd'hui, mon Sauveur, pour chaque frère et chaque sœur. Louange et honneur à toi. Merci d'avoir ramené aussi nos frères et sœurs qui étaient de loin. Louange à toi encore pour ton père qui est de près, bénémoine Père Tissant. Sois donc béni et exalté. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il soit béni, notre Dieu. Amen. Qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux parce que nous l'avons. Amen. Nous sommes heureux parce qu'il est vivant. Vraiment, gloire à Dieu. Qui pourra nous toucher? Vraiment. Si notre Rédempteur est vivant. Amen. Lui qui n'a pas regardé à lui-même, mais qui a pris la forme d'un serviteur pour que nous puissions avoir la vie. Certainement, nous sommes un peuple heureux. Amen. Sachant que nous avons le bon berger. Lui, il nous conduit véritablement vers de verts pâturages. Il se souvient de nous. Amen. Il se soucie de nous. Amen. Il prend soin de nous. Amen. Et il pourvoit pour tous nos besoins. Amen. C'est pour ça qu'Abraham avait confiance en lui. Amen. Il a dit, l'Éternel lui-même se pourvoira. Même dans les moments les plus difficiles, Amen. Nous devons avoir confiance. Amen. Qu'il pourvoira. Amen. Là où il n'y a pas d'issue, vraiment. Il vivra un chemin. Amen. Ah, qu'il soit vraiment béni. Amen. Nous sommes un peuple, comme l'apôtre Paul le disait, réjouissez-vous toujours. Amen. Nous devons nous réjouir parce que le temps de deuil est passé. Amen. Le temps de larmes est passé. Alléluia. Oui, maintenant nous savons qu'il est avec nous. Amen. Il nous soutient, même si j'aimerais avoir de l'ombre de la mort, nous savons qu'il est avec nous. Quand les épreuves viendront, nous savons qu'il est avec nous. Que son nom soit glorifié. Nous voulons lui demander la grâce de pouvoir réellement nous attacher à lui. C'est vrai qu'en tant qu'homme sur la terre, lorsque nous marchons, souvent nous sommes secoués par des circonstances, mais qu'il nous accorde la grâce de nous donner cette foi qui s'accroche davantage à lui. Et quand même la tempête s'agite effectivement, que nous puissions garder les caps. Amen. Que le Seigneur soit béni, Amen. Parce qu'il est vraiment vivant. S'il n'avait pas fait des promesses, nous serions malheureux. Mais comme il a fait des promesses, Amen. Il a dit, je serai avec vous, Amen. Et je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin des temps. Nous le remercions réellement pour sa fidélité, comme l'Écriture le dit aussi. C'est là aussi notre force. Amen. Sa fidélité à l'égard de ses promesses. Et qu'il nous a aussi fait cette promesse qu'il veille réellement sur sa parole. Et nous avons aussi compris, s'il veille sur sa parole, alors nous devons garder la parole.
Et si nous la gardons aussi, alors il veille sur nous. Alors si Dieu veille sur nous, qui pourra nous déraciner alors? Alors nous sommes plus que vainqueurs. Car c'est lui qui nous a vraiment aimés. Oh, nous chanterons les chants de Sion. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de penser, j'ai dit, Seigneur, quel beau jour ça sera lorsque cette épouse se dressera et que sur la terre, les hommes peuvent regarder et dire que s'il y a vraiment un peuple parfait, le voici. Amen. Cela, ça sera, mon frère et ma soeur, parce que Dieu l'a dit. C'est pour ça que nous soupirons après ce temps. Nous le remercions parce qu'il a une manière de faire les choses qui lui est vraiment propre. Il a pourvu un moyen que le monde, les hommes ne peuvent pas voir ni comprendre, mais qui nous a, nous aussi, révélé effectivement ce moyen par lequel notre Dieu va réellement faire aussi toutes choses. Les hommes, réellement, ont leur pensée sur ce que Dieu va faire. Ils ont aussi leur pensée aussi de ce que, comment Dieu va faire. Mais ce n'est pas cela qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'il a eu à pouvoir déclarer. Oh, certainement, c'est vrai. Comme il avait été dit qu'effectivement que la Vierge concevra, les hommes avaient beaucoup pensé. Ils pensaient que c'était une sorte d'illustration, que Dieu voulait parler peut-être en image. Non. Il a été clair quand il a dit que la Vierge concevra. Et lorsqu'il a rendu aussi témoignage en parlant que son épouse sera irrépréhensible, sans tache ni ride, ce n'est pas une image qu'il a donnée, mais c'est une réalité. Et c'est sûr et certain comme il a fait aussi. C'est pour ça que nous n'avons pas à supputer, c'est-à-dire qu'avoir de pensée sûre. Nous devons certainement être sûrs et certains de ce que Dieu a dit, mais il faut que nous sachions ce que Dieu a dit. Parce que c'est pour ça que le Seigneur, notre Sauveur, quand il était sur la terre, il s'est réjoui en disant, « Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. » Cela, le privilège que nous avons en fait, de pouvoir avoir la révélation de notre Dieu. Et avec la révélation, nous marchons avec assurance. Parce que sans cela, effectivement, nous marchons en tâtonnant, effectivement. Et ça, c'est ce que le monde est et comment, effectivement, aussi, il voit aussi les choses. C'est pour ça, comme cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, il pouvait exprimer des choses comme nous l'avons eu à pouvoir les lire. Et c'est toujours important pour nous. Et surtout pour que la foi du peuple de Dieu puisse être une foi aussi ferme, afin qu'il ne puisse pas être dans la peur, parce que l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ est que son épouse, son peuple, ne soit pas tossed to and fro, ne soit pas poussé à gauche et à droite, mais qu'il soit vraiment être dans une position où il est vraiment inébranlable. Ça, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu. Donc, en grand caractère, donc la volonté parfaite du Seigneur, ce que toi, tu ne sois plus ballotté à tout vent de doctrine, mais que tu puisses être ferme et sûr de ce que toi, tu as reçu de la part du Seigneur. Voilà pourquoi il nous faut aussi des hommes qui sont sûrs de ce que c'est la vérité, frères et sœurs. Parce que si c'est un homme qui ne connaît même pas sa position, comment moi, je peux avoir une position ferme? Je ne veux pas non plus des histoires. C'est pour ça que ces hommes de Dieu pleuraient aussi. L'apôtre Pierre disait, mais ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Parce que les fables, il y en a. Ils racontent des fables et puis ils étaient dans la généalogie. Fils de. Ils disent, mais ce n'est pas la généalogie. Non, c'est maintenant la parole de la vérité. Donc il dit, mais ce que nos oreilles avaient entendu, ce que nos yeux ont pu voir concernant la parole de vie. Donc c'est cela, effectivement. Je crois que vous avez remarqué, effectivement, aussi comment les choses ont été exprimées, effectivement, aussi dans l'expression, que ce soit du côté de l'apôtre Pierre, que ce soit du côté de l'apôtre Paul, que ce soit aussi de l'apôtre Jean et tous ces hommes, effectivement, qui ont eu à pouvoir réellement aussi marcher avec les seigneurs. Parce que l'apôtre Paul ici, par exemple, dans Galates au chapitre 1, il nous dit une chose, verset 1, Paul, apôtre, non, de la part des hommes. Il insiste bien pour que ce n'est pas de l'orgueil, non. Mais en fait, quand il s'adresse, effectivement, il sait à qui il s'adresse. Le peuple de Dieu doit avoir une assurance, effectivement, dans ce qu'ils doivent arriver à entendre. Vous vous souvenez, effectivement, les disciples de Béret.
La Bible dit qu'ils n'avaient pas de mauvaises pensées. Non, mais ils écoutaient bien, mais ils vérifiaient dans les Écritures pour voir l'exactitude des choses, effectivement, qui leur étaient annoncées. Donc ça, c'est toujours un devoir pour chaque enfant de Dieu. Frères et sœurs, n'acceptez pas n'importe quoi. Parce que nous n'allons pas dans un endroit imparfait. Où on n'est pas sûr, où on se pose des questions. Non! Pour que tu ailles là-dedans, il faut que tu sois d'abord parfait. Non, parfait en tout, monsieur. Il n'y a pas une chose, et c'est peut-être vrai. Non, parce que quand le Seigneur viendra, il est venu chercher des hommes et des femmes parfaits. Amen. Donc des gens qui ont la connaissance effectivement exacte. C'est pour ça que la parole qui doit être apportée doit être claire et oui et amen. Pas probablement, nous n'avons pas à penser. Nous avons simplement être sûrs que le Seigneur l'a dit. Et si on est sûr que le Seigneur l'a dit, c'est parce qu'il nous l'a donné. Il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité donc des morts. Et tous les frères qui sont donc avec moi, aussi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient donc données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer donc l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, qui n'est pas comme si nous avons dit, certains de ceux que nous avons annoncé, vous l'avez la Bible, qu'il soit donc maudit. Parce qu'anathème, ça veut dire maudit. Donc, si quelqu'un peut avoir cette autorité de pouvoir parler ainsi au peuple de Dieu, mais c'est parce qu'il a reçu cette autorité, cette puissance, cette garantie, cette assurance auprès de celui qui donne la vie et aussi la délivrance. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il a dit bien, non de la part des hommes, ni par un homme. Et il explique encore très bien en parlant qu'il dit, il dit la parole que je vous ai annoncée, je ne l'ai ni reçue, ni appris d'un homme. Et ça, c'est quelque chose que tout un chacun de nous doit réellement connaître et comprendre et savoir qu'effectivement, que nous sommes arrivés à un temps, frères et sœurs, où il ne doit plus y avoir des camarades. Ce n'est plus nécessaire. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de camaraderie. Dans les choses de Dieu, maintenant, on doit être exigeant. Il faut, si tu n'as pas reçu la parole de Dieu, assieds-toi avec nous. Chantons ensemble, glorifions Dieu ensemble. Mais si tu as reçu, alors donne-nous ce que le Seigneur t'a donné. Mon frère et ma soeur, il y a un temps où nous étions des enfants, on pouvait prendre n'importe quoi. Mais quand on grandit, alors à ce moment-là, les choses doivent être à la taille. Ah oui, de l'âge à laquelle nous nous trouvons. Parce que maintenant, on n'a pas besoin de... Vous savez, ce qu'on donne à un enfant, là, je ne sais pas si c'est la pâte, c'est pas la pâte, mais vous savez, la bouillie. Non, avant, on avait besoin de la bouillie. Mais maintenant, tu donnes la bouillie à mon frère Jonas. Mais tu il va te regarder, dit, mais madame, j'ai déjà dépassé, c'est pour, je ne sais pas quel bébé sur le monde, hein. Mais moi, j'ai besoin de la semoule qui est... Parce que pour la semoule, il faut beaucoup de travail. Hein, puis il faut bien le faire. Parce que si tu mets simplement de l'eau comme ça, ça va devenir la bouillie. Donc il faut mélanger pour ajouter encore, tourner. Vous connaissez comment ça se fait, non? Bah. Alors là, quand il mange, il s'émoule, il sent que son ventre a reçu la chose dure, qui fait qu'il se sent bien, il est bien rassasié. Donc je pense que aussi dans les choses de Dieu, il y a une chose que je ne peux pas comprendre. Comment est-ce que les gens peuvent... Je pense probablement peut-être que... Ils n'ont peut-être pas encore grandi spirituellement. On ne peut plus être dans une période où on a besoin toujours du lait. Non, on a besoin de la nourriture solide. Ça veut dire que si, revenant à frère Jonas, et vous lui apportez effectivement la bouillie, mais en fait, il va vous dire quand même, parce que la personne qui apporte la bouillie, « Ah, je vais rendre un service à frère Jonas. » Mais c'est la frère Jonas qui dit, « Non, non, quand même, madame. Hein, non, madame, la bouillie, j'en ai mangé quand j'étais petit. » Ah, j'ai pensé que c'était plaisir. Non, maintenant, c'est plus la bouillie. J'ai besoin de quelque chose qui entre à moi, qui fait effectivement que je me sente rassasié. C'est pas possible. Il me faut quelque chose de vraiment solide pour moi. Je pense que vous comprenez spirituellement ce que ça veut dire.
Donc il faut qu'effectivement que c'est le peuple qui doit être exigeant. Quand cet homme se tient là, c'est pour que le peuple soit sûr. Il dit, mais oui, mais il y a deux personnes qui vous troublent. Mais comment ça se fait que vous continuez à supporter ces gens-là? Que tu es là, tu acceptes. Ici, tu acceptes. Il y a un problème. Tu dois être sûr et certain. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps de pouvoir vagabonder à gauche et à droite. Non, c'est le temps de pouvoir être positionné. Frère, jusqu'à quand? Je vais clocher des deux côtés. Il faut que je prenne une décision. Ah oui, 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 oui. Et c'est que le prophète Élie l'a dit, non? Jusqu'à quand clocherez-vous des côtés? Ça sonne là, on va ici. Ça sonne ici, tu vas là-bas. Mais jusqu'à quand? Il dit, mais il faut prendre une décision. Ah ben, si c'est là-bas, c'est des dieux. Allez, vas-y. Si c'est là-bas, si c'est... Il faut choisir. Vous vous souvenez, non? Alors on dit, mais les dieux qui répondra par le feu. Alors si Dieu a répondu par le feu, et que tu as vu qu'effectivement que Dieu a répondu, alors pourquoi continuer à clocher? Vous savez, et cela ce que Philippe a pu dire. Il a dit à Nathanaël qu'il a trouvé effectivement là-bas, il dit, mais nous avons cherché, c'est vrai, mais nous avons trouvé. Donc si nous avons trouvé, alors où veux-tu que nous allions encore? C'est vrai, à moins que tu n'aies pas encore trouvé. Il dit, mais nous, nous avons trouvé. Il dit, mais vous avez trouvé quoi? Il dit, mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui de qui donc le Moïse et les prophètes ont parlé. Amen. Vous connaissez, non? Amen. Il dit, mais peux-tu venir? Il dit, mais il n'y a pas de problème. Toi-même, viens et vois. Amen. Vous connaissez, non? Parce que Philippe, lorsque le Seigneur a parlé, que si de venger ma chair ne boit mon sang, vous vous souvenez, non? Il n'a pas bougé. Parce qu'il a trouvé. Amen. Où voulez-vous qu'il aille encore? Frères et sœurs, réveillez-vous. Il a trouvé. Ne perdons plus le temps, frère. Il a trouvé. Que ça soit dur, que ça frappe, que ça bouge. Il dit, mais où veux-tu que j'aille? Je vais trouver autre chose. Où c'est? C'est pour ça que Pierre lui a dit, où irions-nous? On connaît les pharisiens, les sadducéens. On sait ce qu'on a bu d'eux. Mais quand tu es venu, Seigneur, oh, ta parole a touché mon âme. Moi, j'ai trouvé. Où veux-tu que j'aille? Que ça soit dur ou quoi que ce soit. Je glorifie Dieu d'avoir ouvert mes yeux. Alléluia. Mes oreilles, mon cœur, pourquoi? Oh oui. Ça, ça doit être toi, mon frère. Toi aussi, ma soeur. Parce que pourquoi toujours être incertain? Tantôt, est-ce que c'est vrai? Tantôt, est-ce que... Non, ma soeur, tu dois être certain. Quand ce n'est pas vrai, abandonne. Ah oui, ma sœur à moi, oui mon frère, le salut ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Amen. Donc il faut être sûr et certain de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Par la parole, parce que nous l'avons lu effectivement ici, il dit, je m'étonne vraiment que vous vous détourniez, parce que non, vous ne deviez pas être comme cela. Parce que... Ce que je vous ai annoncé, comme il a dit effectivement, la parole que je vous ai annoncée ne vient pas d'un homme. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Te bénisse richement, ma sœur, comme on dit. Et il dit, mais je n'ai pas appris d'un homme, mais il dit bien clairement, ce n'est pas révélation. De la révélation de Jésus-Christ, que j'ai appris toutes ces choses. Tout. Je vous ai fait comprendre effectivement ainsi. Et puis quand il va dans la révélation, il dit, vous pouvez représenter la grâce que j'ai eue d'avoir une telle révélation de la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre que ça ne vient pas d'un homme. En fait, que votre foi ne soit pas fondée sur moi. Et puis, il insiste très bien, comme vous pouvez le voir, nous l'avons souvent répété, mais c'est important encore que nous comprenions cela. Il dit, mais l'évangile que je vous ai annoncé, celui-là que je vous ai annoncé, par lequel vous avez vraiment persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, pour autant que vous puissiez le retenir, comme je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru vraiment en vain. Parce que c'est dans cet évangile-là que vous avez reçu effectivement que les anges du Seigneur et Dieu lui-même plongent le regard pour voir effectivement. Parce que si c'était à moi, Dieu ne s'en occuperait pas. Parce qu'il a dit, il veille sur sa parole. Amen. Mais comme c'est à lui, Amen. Je ne suis qu'un vase seulement. Comme c'est à lui, alors soyez aussi sages. Que comme c'est à lui, il veille. Et si toi, tu reçois cet évangile, sûr et certain que les yeux du Seigneur
sont sur toi. Pour ça qu'on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc pour que la crainte du Seigneur vienne dans ton âme, effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu dedans. Vous qui craignez mon nom. C'est sûr et certain, comment avons-nous su maintenant que réellement que ce nom est tellement si saint? Mais c'est par la prédication de la parole de Dieu. C'est écrit, hein? Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'est-ce pas vrai? Mais comment peux-tu invoquer un Dieu que tu n'as pas entendu parler? Alléluia. Comment entendront-ils? S'il n'y a personne qui... C'est vrai. Comment y aura-t-il les prédicateurs s'ils ne sont pas... Vous voyez que toutes choses se tiennent effectivement pour ton salut à toi. Enfin que le Seigneur, ce qu'il veut, mon frère et ma soeur, c'est qu'il te rende en fait. Regardez, la Bible dit une chose merveilleuse qui nous montre que Dieu veille sur ce qu'il dit. Dans le livre, je pense, c'est des Colossiens, je pense, ou Ephésiens, ou... Nous allons voir, effectivement. Nous allons voir, effectivement, d'abord, non. Colossiens, je pense que c'est cela, ou Ephésiens. Mais regardons dans cela aussi, je suppose que c'est cela. C'est cela que... Vous pouvez voir, moi, je sais plus, mais je pense que... Oui, voilà. C'est Colossiens, au chapitre 1, et je pense, le verset 20, il nous dit une chose, il dit... Juste cela qu'il dit. Il dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui. Colossiens, verset 1, verset 20. Vous y êtes? Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Vous vous souvenez? Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Écoutez bien maintenant. Pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Et Dieu, mais écoutez bien la condition. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez, qui a été prêché, à toute la créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait. Vous voyez, en fait. Parce que cela, Dieu, il a pourvu un moyen par lequel il va y parvenir. C'est pour ça que le diable cherchera par tous les moyens de corrompre, effectivement, pour que toi, tu ne puisses pas atteindre cette... Parce que quand Dieu l'a dit, il a dit, mais c'est pas, mais l'évangile que je vous ai annoncé. Parce qu'il dit, mais je m'étonne de ce que vous vous détourniez si proprement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile qui a été altéré, souillé, effectivement. Oui, ça paraît tellement si bien. Oui, c'est vrai cela. Oh, l'importance de l'évangile, c'est qu'elle a la puissance de pouvoir transformer. Vous vous souvenez, frère et sœur? Nous l'avons dit ici, ça choquait les gens. Quand on a parlé, effectivement, que la parole de Dieu ne change pas. Vous vous souvenez? Ah oui. Son objectif, il était ramener toi et moi dans la position dans laquelle toi et moi nous étions. C'est pour ça que nous entendons, effectivement, que la Bible nous fait comprendre, quand nous lisons, effectivement, que tout le monde ne peut pas expérimenter la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. Il n'y a que ceux-là qui étaient en Christ. C'est-à-dire que ce ne sont que des élus, mon frère. Quand vous regardez très bien les Saintes Écritures, s'il vous plaît, prêtez toujours attention pour que vous compreniez. Afin que vous sachiez effectivement ce que vous êtes. C'est vrai, vous l'avez toujours entendu, mais parfois, à force d'entendre, vous n'arrivez pas à pouvoir bien saisir. Pour que vous puissiez savoir qui vous êtes et ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce monde dans lequel nous sommes, pourquoi est-ce que Dieu a créé ce monde? Pour que vous puissiez être un peu éclairé, la question est celle-ci. Pourquoi est-ce que Dieu avait créé le jardin d'Éden? Pourquoi Dieu avait créé les jardins d'Éden?
Dieu a créé les jardins d'Éden parce qu'il voulait mettre qui là-dedans. Tous ceux qui étaient dans ce jardin-là, il voulait mettre qui? Il voulait mettre Adam. Adam était qui? Adam était un fils de Dieu. Il n'avait pas crié pour Caïn. Est-ce que vous comprenez? Donc le jardin d'Éden n'avait pas été créé pour la postérité des serpents. Est-ce que vous comprenez? Parce que d'ailleurs, la postérité des serpents est venue en dehors du jardin. Les jardins d'Éden étaient pour le Fils de Dieu, la postérité. Mais oui, bien sûr, monsieur. Vous n'avez jamais pensé, frères et sœurs, je veux que vous puissiez voir clairement. Lorsque l'évangile a quitté, effectivement, la terre d'Israël, vous vous souvenez? Parce qu'elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à prêcher l'évangile aux païens. Dans Acte 15, qu'est-ce que Jacques a pu dire? Vous vous souvenez? Simon a raconté comment Dieu... Vous vous souvenez? On lit en Acte 15, regardez très bien. C'est important que nous comprenions ces choses. On veut que nous sachions effectivement pourquoi est-ce que le Seigneur met l'accent sur nous en rapport à ces choses. Écoutez bien, Acte 15, regardez très bien. Je pense que c'est cela, oui. Acte 15, verset 13, il dit, « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. » Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez prêté attention? Je relis encore. Il dit ici, « Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. » Point. N'est-ce pas? Et maintenant, le verset suivant, il dit, « Et avec cela, s'accorde la parole de prophète, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Amen. » Donc, vous pouvez comprendre, comme vous le voyez, qu'effectivement, que l'évangile est venu vers les nations, pas pour les nations. Est-ce que vous comprenez? Non, non, non. L'évangile n'est jamais venu vers les nations pour les nations. L'évangile est venu vers les nations pour un peuple déterminé. Si ça a quitté Israël, ce n'était pas pour tout le monde. Non, c'était pour un peuple bien. D'ailleurs, la raison, c'est que quand Dieu termine avec ce peuple-là, tout est terminé aussi par les nations. Si c'était que les nations étaient aussi comprises, tout le monde était comme dans cela, effectivement, mais certainement Dieu allait continuer avec eux. C'est sûr et certain. Mais si c'était pour... Parce qu'il vient pour une chose. Frère et sœur, quand il trouve la chose pour laquelle il est venu, mais il termine, il rentre, c'est fini. Donc les restants, ça ne l'intéresse pas. Donc il vient uniquement pour un peuple. Et la Bible dit, c'est un peuple qui porte son nom. Évidemment, comme nous l'avons eu à pouvoir entendre effectivement aussi, évidemment, quand la lumière est claire, la plupart de tout le monde profite. Mais la lumière est venue pour un but. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que quand nous lisons les Saintes Écritures, nous l'avons aussi entendu la fois passée, il faut que vos oreilles s'ouvrent. Effectivement, toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Non pas que ce soit de plusieurs, mais à sa postérité, comme c'est d'une seule, celle-là, c'est-à-dire bien à Christ lui-même. Et la Bible dit que nous sommes tous qui avons revêtu Christ. Nous lisons dans Galates, non? Regardez bien. Voyez-vous pourquoi, mon frère et ma soeur, vous me regardez, parfois vous ne réalisez pas, mais pourquoi est-ce que nous disons que la Bible est notre absolu? Pourquoi on dit qu'effectivement que ceci est pour nous, en fait? Pour quelle raison? Pour quelle raison, frère? Regardez, bon, lisons d'abord dans Galates, effectivement. Regardez. Dans Galates, effectivement. Galates, je pense, au chapitre 3 ou quelque chose comme ça. Voilà, Galates 3.
Alors, il nous dit ceci, je pense que c'est cela, oui. Galates chapitre 3, je pense que c'est, voilà. Verset 12, verset 13, je pense. Il dit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant donc devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis, frère, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. C'est comme ça avec vous, non? C'est la même chose, non? Le verset 16, il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et il n'est pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, donc, c'est-à-dire à Christ. Et maintenant, nous continuons effectivement, il dit, au verset suivant, ici, il dit, nous voulons dire à partir du verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été donc baptisés en Christ, vous avez revêtu donc Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier donc selon la promesse. Or, nous lisons aussi dans Romains, pour que nous puissions voir encore beaucoup plus clair, Romains au chapitre 8, que nous puissions comprendre, frère, l'objectif de l'évangile sur la terre. Écoutez bien, Romains chapitre 8, au verset 9, il dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient. » Merci. Alors nous comprenons qu'avoir l'Esprit de Christ, c'est-à-dire avoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Mais c'est ça, mon frère et ma soeur. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Amen. Mais si tu as l'Esprit de Christ, donc tu lui... Merci. Donc, si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu es où? Dans le corps. Si tu es le corps, tu es qui? L'épouse de Christ. Amen. Donc, effectivement, mon frère et ma soeur, oui, réveillez-vous, s'il vous plaît. Donc, mon frère et ma soeur, comme on dit que... Donc, nous relisons encore dans Actes, effectivement, dans Galates, pardon. Pour comprendre cela, Galates chapitre 3, regardez bien. Nous lisons verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Et vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu donc Christ, n'est-ce pas vrai? Il n'y a plus donc ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc on est un. C'est pour ça qu'il avait prié dans Jean chapitre 17. Qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Frère, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que la parole de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Il dit, mais qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. C'est pour ça, quand tu es là en train de pouvoir regarder à gauche et à droite, il y a un souci. Tu ne te sens pas concerné, il y a un souci. Tu peux dire, j'aime Jésus, c'est vrai, mais il y a des limites dans lesquelles tu ne peux pas franchir. Parce qu'il y en a un, celui qui doit être un avec. Il a dit bien, qu'il soit un comme toi et moi. Il dit, mais pas dit, comme peut-être un tout petit peu comme nous. Il dit, non, comme toi et moi, amen, nous sommes un. Amen. Mais ça veut dire beaucoup. Vraiment. C'est pas moi qui dis, il a dit ça. Il dit, mais qu'il soit un. Donc quand il a dit qu'il soit un, il veut qu'on soit un. Mais, il n'y a qu'un seul Dieu. Vraiment. Il n'y a qu'un seul esprit. Amen. Qu'un seul baptême. Est-ce que vous comprenez? Frère, réveillez-vous, s'il vous plaît. Vous devez comprendre que nous ne sommes pas en train de jouer à l'église ou à faire semblant pour se dire effectivement que nous sommes des chrétiens. Non, tu ne dois pas te plaire dans ta condition. Frère et soeur, tu dois être violent. Tu dois être exigeant. Je ne vais pas écouter des histoires qui ne m'amèneront à rien. Non, je veux quelque chose qui m'approche de Dieu. Parce qu'on sait que dans ces temps, le Seigneur a dit, il serait tellement si près. Tu aimes trop des camarades, c'est bien. Parce que c'est mon ami. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon ami? Le jour où je m'en irai, il ne sera jamais là. Moi, je vais entendre, même si ça me sépare des gens, gloire à Dieu. Mais je dois recevoir ce que Dieu donne.
Il est venu mourir à la croix de Golgotha pour que toi, nous recevions l'évangile, frère. Je vais pas me servir. Frère, ça. Il n'y a pas un pouvoir jouer que c'est mon cousin. C'est... Non. Dieu s'est fait chair. Pour que moi, je vous avais accès à l'évangile. Et je puisse maintenant dire, mais à cause de mon cousin, non, monsieur, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de cousin. Non, ici, il s'agit de Dieu, la foi en Dieu, monsieur. L'exigence pour l'évangile, mon frère. Ce que, oui, c'est vrai. Parce que nous le chantons si bien ici en disant, si tu viens, donne-moi la main. C'est pas seulement chanter, frère. Si tu ne viens pas, alors, ne me retiens pas. Moi, je dois, mon objectif, c'est, j'ai cru à cette parole de Dieu pour partir. Amen. Non, je ne veux pas chercher les calendriers. Qu'est-ce que je vais chercher à faire ici? Je vais faire quoi, monsieur? Non, je sais qu'il y a un adversaire qui ne voudra pas que moi je puisse partir. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui veut que je puisse partir. Le choix est vraiment clair. On ne vient pas ici pour avoir des camarades. Non. Je viens ici parce que je vais grandir dans les choses de Dieu. Sœur, je ne te plais pas, ce n'est pas un problème. Frère, je ne te plais pas, ce n'est pas un problème. Mon problème, ce que je puisse plaire à Dieu, et que dans mon cœur, il n'y a rien contre toi. Si toi, tu veux être comme ça, indifférent, ce n'est pas mon problème. Moi, quand je viens ici, je ne vais pas être indifférent. Danser, je danse. Sauter, oui frère. Sauter, je saute. Je ne regarde à personne. Frère et soeur, le salut est personnel. Oh, et sauter. Oh, il chante. Non, c'est ton problème. Si tu ne veux pas sauter, assieds-toi. Mais moi, je saute, je danse. Frère, je glorifie Dieu. Oh, j'étais assis là. J'ai dit, Seigneur, s'il y a une assemblée où je voudrais être, eh bien, oh, ouais. Non, frères et sœurs, nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons savoir ce que nous cherchons. Vous savez, Nathanaël a découragé Philippe. Il dit, je vais décourager en disant qu'il n'y a rien dit. Ah bon? Moi, je te dis que j'ai trouvé, tu doutes. Pas de problème. Si tu veux, viens. Et vois toi-même. Alléluia. Oh, frère. Un jour viendra, nous nous envolerons, frère. Oh, oui, monsieur. Oui, madame. Nous rentrerons chez nous. Oui. C'est pourquoi nous nous préparons, frère. Non, il y a un bonheur extraordinaire qui nous attend là-bas. J'accepterai nos propres. Amen. Être insulté, amen, être méprisé, amen, être rejeté. Mais je sais une chose, amen, que la gloire qui nous attend. Amen. Pour ça, l'apôtre, amen, Paul pouvait dire, si je plaisais encore aux hommes, je ne pourrais pas être serviteur de Christ. Parce que ce que moi je cherche, c'est de plaire à Dieu lui-même. Donc l'évangile dont il nous fait part, effectivement, c'est parce que c'est par cet évangile que le Seigneur a prêché lui-même, que Dieu confirmait, effectivement, que Dieu agissait, effectivement, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole, effectivement, c'est pour ça que Dieu a donné des ministères. Amen. Et doit nous amener, il faut que ça vienne du trône. Amen, amen. Ça ne doit pas être une répétition de quelque chose, parce que ça ne vous amènera pas davantage à Dieu. Il n'y a pas de ministère de perroquet, comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire, mais ça doit être une parole qui doit nous amener à Christ. Parce que vous, vous n'êtes pas une répétition, vous êtes effectivement des fils de Dieu vivants. Parce que regardez très bien, même quand vous chantez, si simplement pour répéter, regardez ce que ça va sonner, effectivement, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Quand tu chantes, c'est peut-être quelque chose que tu vis, en fait. Tu sens que, mon Dieu, j'exprime dans mon cœur. C'est comme ça qu'est l'évangile. Pas une répétition. Non, imaginez maintenant, oh, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, et il fera. Où est-ce que nous serons? Mais quand tu entends chanter, Dieu va faire encore. Mais frère, on sent que nous sommes convaincus qu'il le fait, et qu'il va faire, et qu'il fera encore.
Oui, frère. L'évangile n'est pas une répétition. C'est une vie, monsieur. La parole de vie. Voilà pourquoi vous vivez. Parce que la semence, elle est vivante, monsieur. Oui, madame. Nous devons comprendre, effectivement, pour qui est-ce que nous sommes, frère. C'est pourquoi que la parole de Dieu nous fait comprendre que si, je crois, si les dénominations, vous connaissez, je pense, c'est dans l'Église des Galates ou Colossiens, effectivement, où cet homme de Dieu nous montre ça pour que vous puissiez savoir où vous en êtes, qui vous êtes, effectivement, que Dieu nous aide. C'est important, mon frère. Parce que toutes ces choses-là, il est bien, je pense, dans Colossiens, je pense que c'est là, mais dit, trouvez cela, que Dieu nous aide. Parce que, Nous devons réaliser ce que Dieu attend effectivement de nous, afin que nous sachions réellement ce qu'il en est. Parce que si maintenant, je pense que c'est cela, vous êtes bien, si maintenant nous ne réalisons pas ce que Dieu fait de nous, est-ce qu'il a fait de nous, est-ce qu'il continue à pouvoir faire effectivement, alors à ce moment-là, je pense que c'est là, oui. Alors à ce moment-là, nous ne saurons pas tellement très bien comment avancer avec le Seigneur. Parce que vous connaissez l'écriture que je cherche effectivement, c'est que les dominations et dénominations connaissent effectivement par l'Église. Je pense que c'est l'Éphésiens, pour la question de ça, oui. Oui. Bah, par autre chose, effectivement, c'est qu'est-ce qu'est la puissance de Dieu. Pardon, mais je pense que. Ah oui. Aïe, 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 attendez, attendez. Attendez, c'est quand les amants, c'est bon, c'est là, c'est bon. Ah. Je ne sais plus si c'est en Galate ou en Éphésiens, mais je suppose bien. Ah. Oui, vous connaissez l'écriture, mais je voudrais quand même lire, effectivement, ici. Vous savez ce qui va se passer, ce que je l'ai sous les yeux en ce moment. J'ai dit, mais Seigneur, c'était là. Quand on va me dire, ça se trouve là. J'ai dit, mais je l'avais ici. Effectivement, c'est celui-ci. Oui, c'est souvent comme ça. Dit. Mais, c'est comme c'est la boue, ça, c'est là autre chose. La boue, c'est tout. Je vais être dans Colossiens ou quelque chose comme ça. Les automatiques, ni. Mais. C'est parti. Et voilà, c'est ça. Je l'avais sous les yeux. Je le disais, je l'avais sous les yeux. Et puis évidemment, aussi, c'est quand même. Ah bon, alors, c'est dans Ephésiens chapitre 3. Et voilà. Ephésiens chapitre 3. Il dit ici, il dit, ces mystères, ce que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Vous vous souvenez? C'est la même chose que vous. Hein? Cet Évangile dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. C'est comme ça, non? À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ce n'est pas par un autre moyen, effectivement. L'Église, c'est bien vous. Amen. Oui, l'Église, c'est bien vous. Donc c'est par vous, effectivement, que... C'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc l'Église a quelque chose de tellement si important. Oui, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire effectivement de la Bible, effectivement, même de la nation, des nations tout entières, effectivement, il y a quelque chose de tellement si important. C'est ce que Dieu cherche à pouvoir faire. Et comme l'Église le fait savoir, effectivement, il est fait. Regardez très bien, frères et sœurs. Comme l'Écriture nous le montre en disant que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. En fait, Dieu veut clôturer l'histoire avec l'humanité, messieurs. C'est sûr et certain. Oui, mais alors, de quelle manière il veut prouver effectivement que le monde puisse savoir réellement qu'il est le cas, même les gens qui ne sont pas des croyants, ainsi de suite, effectivement, parce que c'est absolument important que vous puissiez savoir par quel moyen et de quelle manière Dieu veut faire les choses. Parce que nous l'avons lu tout à l'heure, effectivement, dans les Saintes Écritures, quand on regardait en disant, le Seigneur a tourné les regards vers les nations pour jubiler un peuple qui porte son nom. Vous vous souvenez? Je vous ai dit que si l'Évangile est venu,
Ce n'est pas pour tout le monde. Par le biais de l'évangile. La lumière, effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. N'est-ce pas vrai? Et vous pouvez me dire, mes frères, mais alors, ceux qui sont ainsi... Vous vous souvenez dans Matthieu au chapitre 7? Vous vous souvenez? Le Seigneur a dit, plusieurs viendront en ce jour-là. Ils me diront. Vous me suivez? C'était qu'il a dit, hein? Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire quand même, ils ont quand même communiqué des Seigneurs. Hein? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles puissants par ton nom? Qu'est-ce qu'il va leur dire? S'ils parlent de chasser des démons, ceux qui connaissent l'évangile, enfin ils ont entendu. C'est quand même vrai, non? S'ils parlent de pouvoir avoir prophétisé, c'est qu'ils ont quand même avoir part à quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous embrasse. On n'invente pas des choses, frère. C'est pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce que Dieu fait. Il ne cherche pas des saletés, Seigneur. Il n'est pas venu pour ramasser n'importe quoi. Non, il a bien dit depuis les débuts, clairement, les hommes ne comprennent pas. Il dit, moi, je suis venu pour chercher mes brebis. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils avaient dit. On a donné des dessins ici. Mais je ne peux pas dire ici que... Je sais pas dans mon, parce que je devais avoir mon mouchoir tantôt. Il dit, mais je ne peux pas dire que je suis venu chercher mon mouchoir. Hein? Si je n'avais pas d'abord ce mouchoir dans ma poche, parce que je l'ai cherché. Donc d'abord, il est toujours... Il a toujours été avec moi. Et puis pendant que je parle, effectivement, il est tombé sur la vie. Ah, mais je cherche quoi? Je cherche mon mouchoir. Parce que je l'avais d'abord avec moi. Je ne vais pas chercher les mouchoirs de frère Jonas. Les miens. Que j'avais toujours avec moi partout où j'allais. Oui, monsieur, mes brebis à moi. Que j'avais toujours. C'est pour ça que je dis, mais quand je vais les appeler, les autres ne vont rien faire. Mais eux, ils vont entendre ma voix. Ce n'est pas un jeu, frère. Pour comme si ça chante des musiques avec vous. Non, c'est la vérité. Il n'est pas venu pour tout le monde, monsieur. Non, monsieur. C'est la vérité, ma soeur. C'est vrai qu'on dit, c'est vrai. C'est 100% vrai. C'est pour ça, réveille-toi, tu es toujours là. Oh oui, alléluia. Mais non, il faut comprendre les choses. Il vient chercher. Il sait très bien que celui-là, il pourra entendre, il ne va pas croire. Même si aussi les morts ici, il va regarder, oh, est-ce vraiment Dieu encore? Et celui, ah, c'était peut-être pas le Moïse. Non, c'est comme ça qu'il est. Mais quand il est de Dieu, c'est tous les jours avec Dieu. Il connaît que son Seigneur agit encore aujourd'hui. C'est sûr et certain. Parce que la foi est un don qui vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ma foi vient de ce qu'on entend. La parole de Christ. C'est certain. Et pour ça, nous devons réaliser effectivement la grâce, la grandeur de la grâce que Dieu nous a accordée. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, frère. Ça ne sert à rien de venir ici jouer la comédie, de pouvoir être saint. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Si vous sentez le goût du catholicisme, allez chez les catholiques. Oui, parce que c'est vrai. On a toujours, mais on ne fait pas ça comme ça. Pourquoi on ne voit pas un petit peu l'hostie? On a donné un exemple. Mais ici, vous n'aurez jamais de l'hostie ici. C'est pas possible ici. Les hosties, c'est catholique. Ici, c'est la Sainte-Seine. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça dire, oh, quand nous étions dans nos églises là-bas, chez nous là-bas, parce que je parle de la fille, vous m'avez au Japon, ou pire, je ne sais pas moi, en Chine, à Pyongyang. Hein, nos réunions étaient comme ça, on voyait le prédicateur, j'ai pu me passer un que j'avais à côté, j'ai dit, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Alors, non, le prédicateur, on faisait comme ça, on faisait comme ça. Allons, si tu veux aller à Pyongyang, va à Pyongyang. Mais ici, ce n'est pas Pyongyang. Non, ici, nous implorons la grâce de Dieu pour nous conformer. Et à demeurer comme les apôtres, les prophètes ont prêché. C'est cela que nous désirons. Et nous demeurons conformément aux saintes écritures par la révélation de la parole de Dieu. Nous supplions personne. Amen. On ne te supplie pas. Par amour, nous t'aimons. Amen. Mais si tu n'aimes pas notre Jésus de la Bible, et d'ailleurs la Bible dit que celui qui n'aime pas mon Jésus, de la Bible ici. Et la Bible l'a dit, non? Celui qui n'aime pas, non? Mon Jésus de la Bible, et qu'il soit maudit, c'est pas moi qui dis, la Bible l'a dit. Si la Bible l'a dit, je le crois. Vous ne le croyez pas? Dieu te bénisse. Frère, tu n'aimes pas mon Jésus. Je vais aller avec toi où?
Même s'il faut que le mariage casse. Ah oui, frère. Ah, sous ce point-là. Tu n'aimes pas celui que j'aime. Je n'ai pas dit aller casser le mariage. Non. Mais tu n'aimes pas celui que j'aime. Et comment veux-tu qu'on avance ensemble? Il y a un souci. Oh, ils vont dire aux frères et aux dames. Non. On doit bien comprendre. J'aime mon Jésus. Tu l'aimes. Je veux qu'on le partage. C'est pour ça que je prie que Dieu nous accorde la grâce. N'allez pas vous unir avec. C'est vrai. Sinon, ce sont des soucis. S'ils ne croient pas le même Jésus que vous avez, ils vous présentent un autre Jésus. Ils s'y accrochent. Mais c'est pour ça. Ce n'est pas possible que ton ne sais pas. Je ne sais pas, mon frère. Je ne vais pas faire un dessin, mais. Ah, vous comprenez bien. Parce que c'est vrai, vous dites, oh, c'est un frère dans le message. Ça veut dire quoi, frère, dans le message? Oh, il m'a vu, il a dit qu'il croit aussi au prophète. Oh, oui, nous tous nous croyons. Mais ça dépend de quelle manière vous croyez au prophète. Oh, c'est aussi un frère comme nous. Comme nous. Parce que il y a bien une petite question. Parce que s'il est comme nous, pourquoi il n'est pas avec nous? Oh, mais je suis votre pasteur, hein. J'écoute bien, j'écoute, j'aime les prédications. Mais pourquoi tu ne fais jamais les pas? Je t'apprécie, surtout quand je te vois à la chorale, parce que quand je te vois à la chorale, mon cœur, il fait boum, 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 boum. Et puis, sache que je crois comme vous. Comme... Mais il dit, votre pasteur, je le crois aussi, hein, quand vous prêchez, je suis content. Il dit, mais pourquoi tu ne fais pas? Non, mais je dis, fais les pas alors. Ça commence, le souffle commence à changer. Alors, vous savez, en fait, vous savez en qui vous avez cru. Lui, il peut vous donner le meilleur. Ce que nous désirons, c'est avoir la même foi. Jésus, toi, tu as un Jésus selon ton imagination, ta façon de voir. Moi, j'ai le Jésus de la Bible, selon comme les apôtres nous ont présenté. Je veux demeurer avec lui. Et si tu veux qu'on vive ensemble, soyez exigeants. Mais ne soyez pas comme si, ah, si je rate celui-ci, c'est fini, maman. Non, toi, une fille de Dieu. Alléluia. Dieu travaille, il t'embellit dans tout ce qui est bien sûr. Ne va pas, oh, elle n'est pas jolie. Non, t'inquiète pas. Dieu embellit ta beauté, tout ça. Il va s'en occuper. J'ai toujours eu à pouvoir dire, vous connaissez. Vous le connaissez, non? Qui ça dont je parle? Ah, vous connaissez, non? Il avait perdu presque toutes les dents. Et vous connaissez l'autre là, vous connaissez? Il s'appelle comment? Voilà. Si quelqu'un te dit, oh, il dit, souviens-toi d'Abimelech et de ça. Tu lui dis simplement ça, tu lui dis le chemin. C'est sûr. Abimelech ne savait plus dormir la nuit. Il a dit tout. Mais une femme de 70 ans, je ne sais pas combien. Abimelech n'avait pas dormi, sa tête tournoyée. Il faisait des cauchemars. Pour une dame qui grandait 80. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait. Si Dieu l'a fait une fois, il le fera encore. Amen. Vous direz, est-ce que c'est vrai? Mais Elisabeth. Amen. Pour avoir un bébé, il fallait rajeunir. C'est dans la Bible, monsieur. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Lève-nous. Notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Tu es vraiment parfait et tu es vraiment bon. Tu es le consolateur, le divin modèle béni. Nous sommes heureux de pouvoir t'avoir parce que, oh Dieu, en dehors de toi, tout est ténébreux, mon sauveur. Tu es la vie, tu es la joie, tu es la consolation, tu es la force, tu es le soutien, tu es le secours, tu es le modèle parfait, mon bien-aimé Père Tubissant. Oh, nous avons tout pleinement en toi, Père. Oh, en dehors de toi, il n'y a que tristesse, mon bien-aimé Père Tubissant. Notre bonheur est en toi, mon bien-aimé Père Saint. Oh, c'est pour soir, celui qui t'a trouvé a trouvé le bonheur, mon bien-aimé Seigneur. Bénis mes jeunes sœurs, bénis aussi mes frères et sœurs. Bénis encore ton peuple, bénis tes enfants, mon bien-aimé Père Tubissant. Nous sommes heureux parce que tu es vraiment la solution à tous nos problèmes, nos soucis, nos tracas. Oh, bien-aimé, avec toi, nous n'avons pas de problème, Père.
Quand les problèmes viennent, nous avons la solution, mon bien-aimé Père, tu dis ça. Nous sommes dans la joie de t'avoir, bien-aimé Père Saint. Nous ne sommes pas comme les mondains. Oh, nous sommes un peuple de Dieu, mis à part pour te servir, Père. Père, travaille en nous encore davantage, mon roi. Souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de mon frère, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Agis encore dans le sein de mon bien-aimé Père, tu dis ça. Qu'il soit donc béni, Père. Qu'il soit donc fortifié, mon roi. Oh Dieu, qu'il soit aussi guéri, mon bien-aimé Père, tu dis ça. Guéris les malades, mon bien-aimé Seigneur, oh Dieu. Fortifie encore les âmes qui sont affaiblies, mon bien-aimé Père, tu dis ça. Elles sont à toi aussi, mon bien-aimé Seigneur. Que ton nom soit béni, qu'il soit exalté, mon bien-aimé Père Tibissant. Merci de conduire encore nos pas, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous éclairer, mon bien-aimé Seigneur, notre Dieu. On relève tes enfants, mon bien-aimé Père Tibissant. Guéris et soutiens. Fortifiez, console, mon roi. Nous nous résistons, mon bien-aimé Père, parce que toi, tu es Père. Louange et honneur à toi. Sois béni encore aujourd'hui, mon sauveur. Sois exalté encore pour tout. Merci pour tes grandes compassions, mon sauveur. Merci pour ton amour, mon sauveur. Merci pour mes frères et sœurs, mon sauveur. Bénis-le, ceux qui sont là-bas au Canada, Père Tibissant, que tu les fortifies. Souviens-toi de ma sœur Rebecca Bougui. Souviens-toi aussi de la famille de mon frère. Oh Dieu Tout-Puissant, ma sœur Carole Somari, Père Tibissant, mon frère Koulibaly, toute sa famille, Père Tibissant, mon bien-aimé, mon frère Daouda, Seigneur, chacun de tous les siens qui sont là-bas au Canada. Oh Dieu, ceux qui sont à l'écoute encore, mon bien-aimé, Père Tibissant, les différents contrées du pays, Père Saint. Oh, que tu puisses encore le bénir, les visiter, mon bien-aimé Seigneur. Souviens-toi de chacun d'eux, mon bien-aimé Père Saint. Ceux qui sont en Irlande, partout, dans tout le pays où se trouve encore aujourd'hui ta sémence en toi, Père. Seul que toi, tu attires encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs dispersés de par le monde qui s'accrochent à toi. Oh, qui ont pris position pour ta parole à toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Qui s'y accrochent et qui ont aussi ta parole en ce temps, nous vivons, Père Tibissant. Qui sont aussi bénis, éclairés et soutenus, Père Tibissant. Merci pour ton amour et merci encore pour ta bonté. Merci encore pour tes compassions, mon sauveur. Nous t'aimons et nous te glorifions. Béni sois-tu encore ce soir pour la gloire et au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur. Tiens-nous encore par ta main. Nous voulons continuer encore la marche, Père. Garde nos enfants, nos petits-enfants aussi et nos frères et sœurs partout où ils sont pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons juste prier pour notre sœur Véronique d'Espagne. Que le Seigneur, notre Dieu, la bénisse et la fortifie, la console aussi, parce qu'elle vient de pouvoir perdre son papa. Ce n'est pas un moment facile, c'est un moment difficile, mais nous voulons implorer la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse vraiment la fortifier. Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce, de miséricorde. Oh, te dire combien tu es bon dans ta façon de pouvoir faire les choses. Quand aussi le cœur est attristé, tu es pour nous un consolateur merveilleux, Seigneur. La consolation que toi tu donnes, mon bien-aimé Père Tibissant, oh, il console parfaitement quelqu'un, Seigneur. Merci pour ta servante, notre bien-aimée sœur Véronique, Père au Dieu d'Espagne. Qu'elle soit vraiment consolée. Bénis aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as donné, tu as repris, que ton nom soit exalté pour tout ce que toi tu es, Seigneur Jésus. Combien nous sommes heureux de pouvoir t'avoir, Père Tibissant, dans les bons comme les mauvais moments. Tu es le Dieu qui console nos cœurs, qui régit encore nos âmes, mon bien-aimé Père Saint. Que tu puisses encore la fortifier, enfin, qu'elle ne puisse pas être dans la tristesse et désespérée. Nous voulons avoir confiance en toi parce que tu sais ce qui est bien pour elle. Et ce que tu as fait, nous croyons que c'est bon pour elle, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu as eu à pouvoir entendre aussi nos prières t'avant adressées, mais il a pu à toi de voir prendre le papa. C'était le temps. Souviens-toi de ma soeur, Père Tibissant, de la famille. Tu es le consolateur. À toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Sois donc béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. En toi, Seigneur, les promesses et l'un de ton sang sont pour nous, viens mon corps, détresseurs, le recours tout puissant.
La main de Dieu même au riche à s'enfermer, ce a marché courageux, et que les montagnes s'abaissent, que les cieux disparaissent. Nous avons tes promesses, certaines en tout temps. Bien souvent dans le voyage, notre chemin semble obscur, mais par la foi le parce que tu as fait former des projets de bonheur pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour les promesses que tu nous as faites, mon Sauveur. Ce sont des promesses dont les temps sont fixés. Oh, elles ne mentiront point, Seigneur. Elles s'accompliront certainement, Seigneur, parce que tu en as fait la promesse, mon Sauveur. Oh, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir de tes promesses. Seigneur, ce que tu promets, tu réalises, mon Sauveur. Ce que tu as promis dans la vie de mon frère, tu le réaliseras, Seigneur. Ce que tu as promis dans la vie de ma sœur, tu l'accompliras, Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun magicien, il n'y a aucun homme, il n'y a aucun ange qui peut changer les promesses que tu nous as faites, mon Sauveur. Tu es notre Père, tu veilles sur nous, Éternel. Tu accomplis tes promesses, mon Sauveur. Accorde-nous la grâce, mon Dieu, de pouvoir rester inébranlable de la foi que tu nous as donnée, Seigneur. Sois loué, notre Père, sois exalté pour l'éternité. Seigneur, merci pour mon frère.
Merci pour ma sœur. Donne-nous cette foi, Seigneur mon Dieu, qui s'accroche à ta parole. Nous voulons demeurer fermes dans la foi, mon Sauveur, afin de pouvoir accéder à tout ce que tu nous as promis, mon Sauveur. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Satan a échoué. Merci parce que tu es celui qui tient notre foi. Seigneur, augmente-la en nous, Seigneur mon Dieu, que nous puissions croire en ce que tu promets. Car, Seigneur, ce que tu promets, tu réalises réellement, Seigneur. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu veilles sur nous, Éternel. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter, notre Dieu. Que ton nom soit exalté, mon Sauveur. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Merci encore pour la conduite que tu lui as donnée aujourd'hui. Seigneur, nous aimons quand toi tu parles, mon Sauveur. Nous aimons quand toi tu nous élèves dans les hauteurs. Seigneur, nous aimons quand tu nous consoles. Nous aimons quand tu nous fortifies, Seigneur. Nous aimons quand tu nous éclaires, notre Dieu. Nous aimons, Seigneur, quand tu nous ouvres les yeux. Seigneur, tu nous as ouvert les yeux. Merci parce que tu nous as réellement révélé le plan de ton salut, mon Sauveur. Le plan du salut, c'est Jésus-Christ, mon roi. Jésus-Christ, le mystère caché de Dieu. Oh, Seigneur, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Merci notre Seigneur, nous voulons te posséder Seigneur, nous voulons Seigneur t'avoir en plus de toi, oh, plus de toi dans nos vies Seigneur, nous voulons demeurer en toi notre Dieu, nous voulons grandir Seigneur mon Père, croître en toi Seigneur Jésus, agis encore davantage mon Sauveur, Seigneur remplis nos cœurs Jésus Christ mon Roi, Seigneur inonde nos vies Seigneur, oh accorde-nous la grâce mon Sauveur, de pouvoir avoir toujours les yeux, les regards fixés vers toi, Seigneur accorde-nous ton secours notre Dieu, tu es le Dieu de toute possibilité. Tu es le faiseur de l'impossible. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, mon Sauveur. Tu fais, tu feras, tu as fait, mon Sauveur. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Qui peut se mesurer à toi? Jésus-Christ, mon Sauveur. Tu es vivant, notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant, mon Sauveur. Oh, d'âge en âge, mon Sauveur. D'éternité en éternité. Tu demeures le Dieu très haut. Seigneur, nous te voulons, Seigneur. Remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis nos vies, Seigneur Jésus. Oh, je t'en supplie, mon Sauveur. Accorde-nous vraiment ta grâce, mon Sauveur, de rester attaché à toi, notre Dieu. De pouvoir réellement marcher avec toi, comme les apôtres ont marché avec toi. Comme Paul a marché avec toi. Comme Pierre a marché avec toi. Comme Philippe t'avait trouvé, Seigneur. Nous aussi, nous t'avons trouvé, Seigneur. Oh, à qui irions-nous d'autre qu'à toi, Seigneur Jésus? C'est de toi que viennent les paroles de la vie, Seigneur. Quand nous n'avons plus, Seigneur, l'espoir dans ce monde éternel, nous trouvons espoir en toi, Seigneur Jésus. Tu es notre espérance, mon Sauveur. Tu es réellement notre vie, Seigneur. Oh, c'est en toi que nous nous confions. Seigneur, c'est en toi que nous tournons nos regards. Seigneur, celui qui tourne les regards vers toi n'est jamais confus, mon Sauveur. Tu es le véritable, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Seigneur, tu es la parole vivante. Tu es la parole manifestée. Tu es le Dieu vivant, mon Sauveur. Tu es celui qui change le cœur. Tu es celui qui change le cours de l'histoire. Seigneur, les hommes ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, nos yeux t'ont vu. Nos mains t'ont touché. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, mon Sauveur. Seigneur, change nos cœurs. Change nos vies, Seigneur. Enlève tout esprit religieux, mon Sauveur. Rends-nous réellement sincères et vrais avec toi. Oh Jésus-Christ, mon Sauveur. Tu es véritable, mon Sauveur. Seigneur, tu parles encore aujourd'hui. Tu touches encore les cœurs aujourd'hui, Seigneur. Oh Seigneur, tu es incomparable. Tu es réellement admirable, mon Sauveur. Tu es le Dieu véritable, Seigneur Jésus. Seigneur, tu guéris les maladies incurables, mon Sauveur. Oh, tu restaures la peau, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui crée les organes de corps humain. Tu es merveilleux. Tu es admirable. Tu es puissant. Tu es vivant. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es puissant, Jésus. Tu es là ce soir. Seigneur, tu es présent. Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Seigneur, baptiste de feu. Tu es venu chercher tes brebis à toi, Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Seigneur du Saint-Esprit. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, mon Sauveur. Tu es admirable, Jésus. Tu es puissant. Oh, le conseiller, c'est toi, mon Sauveur. Accorde-nous ta grâce, mon Sauveur.
Seigneur, merci pour tout notre Dieu. Combien nous aimons ta présence, mon Sauveur. Oh, je désire habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler ta grandeur, notre Dieu, pour admirer ta magnificence, mon Sauveur. La gloire de l'Éternel remplit ce temple, mon Sauveur. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, souviens-toi de nous ce soir. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Seigneur, enlève, Seigneur, tout esprit religieux. Le temps de jouer est terminé. Oh Seigneur, merci parce que tu nous rappelles, Seigneur, les promesses que tu nous as faites, mon Dieu. Tu dis, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, remplis-nous, notre Dieu. Seigneur, prépare-nous, mon Sauveur. Seigneur, prépare-nous, notre Dieu. Seigneur, prépare-nous, Seigneur. Bientôt, tu reviens nous chercher. Seigneur, bientôt, tu reviens nous chercher. Jésus-Christ, mon Sauveur, remplis-nous du Saint-Esprit. Bientôt, tu reviens pour nous chercher. Oh, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, viens remplir, Seigneur, chacun de nous. Remplis nos cœurs du Saint-Esprit. Inonde-nous de ta présence, Seigneur. Baptise le feu d'esprit, Seigneur. Tu baptises encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu délivres encore aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit.